Ok, ouais, bah c'est vous là qui étiez il y a 2 secondes là, en train de dire à Octavia là, faut répondre au téléphone? Bah oui, c'est moi. Ah ouais, ok, ouais. Ouais. Et c'est la dernière fois que je suis avec ma mère! Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon! C'est quoi ce délire là? Mais je savais pas que c'était ta meuf! Je savais pas que c'était ta meuf! Je savais pas que c'était. Bien, coucou les amis! J'espère que vous allez. Bien! Et bienvenue pour la suite des aventures RP de Mathieu Hanez sur LS Confidential. Ouais. Oh les gars, Mathieu Hanez, vu que c'est un mec de la night, parce que j'ai acheté le Galaxy, donc et la boîte de nuit. Je vous montrerai d'ailleurs un petit truc que j'ai fait tout à l'heure pour la boîte de nuit. J'ai quelques idées, tu vois, sympathiques pour la boîte de nuit. Ce serait par exemple que ça devienne un lieu de rencontre pour la pègre. C'est-à-dire pour que tous les bandits en fait se rencontrent au Galaxy. J'ai une petite idée pour ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et pour ça, tu vois, il faut une tenue. Il faut une tenue qui soit en adéquation avec le monde de la nuit, quoi, tu vois. Fermez les yeux. Normalement, j'ai un pantalon. Voilà, normalement, j'ai un pantalon, Roya. Mais non, voilà, j'ai pris un pantalon. Je vais pas aller comme ça au magasin, quand même. Tout était bon, voilà, tout était bon. Voilà, je vais me pointer comme ça au magasin. Je vais aller en scred. Je vais attendre qu'il y ait pas beaucoup de monde, tu vois, et puis je vais rentrer, là. Au pire, il nique sa mère, en vrai. Ça se trouve, les gens, ils vont kiffer, hein. Vas-y, tu sais quoi? Non, mais vas-y, non. Devine qui, voilà. C'est Mathieu Hanez qui débarque. Est-ce qu'il y a du monde? Oh, merde. Il y a du monde. Putain. Vas-y, viens, je vais aller voir. Je vais aller au Ponzo Boys. Ah, j'ai pas me foutre la honte. T'es malade ou quoi? Voilà, ils m'ont en caleçon et tout, calme. Ponzo Boys, bonjour. Ouais, et Ponzo, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, vous? Ça va, tranquille. C'est tonton, il est pareil? Oui, c'est moi-même. Ouais, c'est Mathieu Hanez. T'es au magasin, là? Ah, Mathieu. Oui, je suis au magasin, oui. Vas-y, j'arrive, parce que j'ai un petit souci, là. Tu vas me ramener encore quelqu'un de dégueulasse à rhabiller? Non. Là, c'est moi, le mec dégueulasse qui va venir, là. Ah, tout de suite, j'arrive. Vas-y. Tout de suite, oui. D'abord, c'est rangé, d'abord la taille L. Tonton, j'ai un souci. Ah, viens vite ici. Ouais, j'ai un gros souci, là. Oui, viens ici. Ouais, je veux exactement le même pantalon que toi. Juste le pantalon? Pourquoi, le reste, c'est pas bien? Mais ça va faire bizarre. Assieds-toi bien ici. Vas-y, au pire, vas-y, soit tu me trouves un bon pantalon, soit okay. tu me mets une tenue adéquate. Mais les défis. En fait, là, c'est pour le monde de la night, tu vois, parce que je viens de racheter le Galaxy. Galaxy, c'est quoi? Oh, ça, c'est pas mal en vrai, en beige. Hein. Beige, c'est. Non, attends. Ou en vert, comme ça. Il faut prendre la couleur qui allait moins sur ta chemise, il faut mettre pantalon. Ah. Par la connaissance des causes. Genre le bleu par exemple. Il n'y a pas beaucoup. Bleu. Ou le marron. Non, le bleu, il n'y a pas beaucoup de bleu en vrai. Non, ça fait trop de détails. Attends. C'est ça que j'aime bien avec tonton, tu vois, il connaît. Trop fort. Non, c'est mon métier et en plus c'est ma passion. Tu vois, les deux en même temps. Ouais, je vois ça. Hein. En fait, là, je compte en faire ouvrir la discothèque, comme ça va devenir vraiment la plaque tournante de la drogue, de la vente d'armes, des putes et tout. Hein. C'est ça mon premier. Pour les débuts, non. Pour les putes, d'accord. Là, je suis là. Mais les armes, non? Non, j'ai déjà une arme très forte, mais c'est pour les femmes. D'accord. Vas-y, on part sur ça. Ouais, on part sur ça, ouais. Et voilà. Oh, tiens, bon. Non, moi aussi, j'ai une nouvelle voiture. Tu as vu mes vêtements? Ouais, j'ai vu. Ah! Regarde ma voiture. Oh, j'avoue! T'as vu? Beau gosse, hein? Elle est éclatée du fou, quand même. Oui, elle est éclatée, mais ça m'a coûté cher. C'est juste pour mon délire. Ouais, t'as raison. Toto, je te laisse, on se tient au courant. Vas-y, ça marche, mon petit. À plus tard. Salut, petit, à bientôt. Ça, c'est moteur trafiqué. Au pays, il y en a aussi. Vas-y, t'entends, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, c'est moi qui paye. Mais non, il y a des flashs là. Ouais. Mais celle-là, c'est pas ma voiture la plus rapide. Hein. La plus rapide, elle monte à 350. Ah bon, c'est la MRUS GTR, la plus rapide. Ah bon? Ouais. Tu travailles dans quoi? Moi, je t'ai dit en fait. Moi, j'ai le Burger Shot. Et là, du coup, j'ai racheté le Galaxy. Et là, j'aimerais bien acheter le casino, tu vois. Ah, mais il faut parler avec les gens du casino. Hein. Chaque fois que je vais là-bas, je gagne seulement les bons pour les stages. Ah ben moi aussi, c'est pour ça. Là si je le rachète, je vais tout trafiquer. Oh merde. Quoi? Oh merde. Voilà, $75 à moi. Oh putain. Moi, je t'ai fait la facture plus tard, t'inquiète. Non, t'inquiète. Et tonton, t'as quel âge? J'ai 45 ans. T'as une meuf? J'ai 45 ans il y a 4 jours. Oh ben joyeux anniversaire alors, en retard. Merci beaucoup. T'as une femme? Attends, il y a Marwan qui m'appelle. Ouais, Marwan, ça va ou quoi? Oh, ça va ou quoi, Mathieu? Alhamdoulilah, et toi? C'est un match, je passe à côté de moi, tu me dis même pas bonjour. Mais voilà, je t'ai pas vu. Ah, c'était toi en skate? Ouais, c'était moi en skate, reviens. Ah, je t'ai pas vu. Quelqu'un skateboard ici à droite. Ouais, c'est lui, c'est Marwan. Wesh, Marwan, ah. Marwan. Attends 2 secondes, hein. Vas-y, on fait la course. Ah, c'est les petits qui ont fait le même costume que moi. Allez, on fait la course, on y va. Allez, on fait la course. C'est parti. Salut, hein. Attends, Tima, qu'est-ce qu'il fait? Zama, regarde, rien. Oh, il a pété un câble ou quoi? Ouais, t'as raison, ça va ou quoi? Ça va quoi, Mathieu, la forme? Ouais, ça dit quoi? Bah écoute, souvent. On est là, on est là. Travail.
Dis-moi, j'avais une question. Est-ce que tu pourrais me vendre un pochon de coke? Ouais, pour qu'il sache combien ça se ouais, revend. Ouais, c'est ça. Je vais voir le prix dans le sud, ça vaut combien. Parce qu'il me parle de 400, mais je pense que c'était 400 dans le nord. Au pire, moi je le vends, je te dis à combien. Oh, au pire, ouais, vas-y, on fait comme ça. Vas-y, on fait comme ça, je suis encore. Merci. Allez, salut. Bien joué, tonton, là, on est bien caché. Vas-y, tonton. Oui. Attends, je vais te montrer un truc. Ah, vas-y, bon, je te montre mon entrée secrète, viens. Ok, vas-y. Y a pas beaucoup de monde qui a vu ça. Hein. Ben, j'imagine, hein. Voilà. Wouah! Mais attends, mais les franchement, t'as. Ton garage. Ouais, c'est le garage de tonton, mais c'est incroyable! Et t'as payé ça avec ton argent et tout? Mon argent est celui de Ponson Beast. Ah, j'avoue. Oui. Oh, celle-là, elle est trop bien, la stanière, la nouvelle! Oui, non, c'est de la merde. Bon, elle est belle, ouais. Mais tu prends un virage, tu prends pas deux, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux essayer? Ouais, vas-y, s'il te plaît, vas-y. On dirait les voitures de police et tout. Ouais. Mais tu sais que au Venise, ils voulaient mettre les lumières de police au-dessus. Ah ouais? Oui. Incroyable. Il y avait un petit là, un policier, il m'a dit non, il faut pas faire ça, monsieur, tout ça. Ah bah ouais, c'est. Bon, j'ai c'est... pas mis. Bon, je vais mettre ça. Ça, c'est les tontons mobile chasse. Tu la boostes ou pas? Non, elle a rien. Ah c'est d'accord, elle a rien. Là. D'accord, mais d'accord. Je t'ai dit, fais attention au virage. Non, tranquille. Regarde, ah, hop ça là. Va. Ah non. Ah oui, voilà. je comprends t'as ce que compris, tu veux dire. Hein. Wow, ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Ouais. Vous allez ligne droite, ça va. Ouais, ça va. Heureusement, il y avait des airbags un peu partout, ouais. Oui. Oh putain, ça va, elle est équipée. Vas-y, salut. Oh la vache. Là, tu peux rouler que tout droit. Ah jamais oui. Tourner. Si tu tournes, c'est fini. Oh, c'est terrible ça. Mais tu sais que tu peux même pas descendre les. Tu sais, baisser les suspensions. Ah ouais, je me c'est suis ça. Dit peut-être si je baisse les suspensions. Regarde les jantes que j'ai mis déjà. Attends, on va essayer un deuxième virage. Allez, pas... celui-là c'est pour la forme. Presque. Oh, ça va. On a rattrapé le truc. Oui. D'accord, ouais, c'est vrai. En fait, elle est surélevée. C'est ça le problème. Elle est, où c'est ça, elle est trop. Donc le problème c'est que bah. Je crois que c'est le poids. Elle, le elle centre de gravité. Oui. Oh, et oui, voilà. Oui. Oh, ah ouais, je fais donc, des deux roues. Je fais des doubles roues là. Oui. Ah, j'avoue, c'est chaud. Hein. T'as essayé de faire de l'off-road avec ça ou pas? Non, mais pas avec les pneus là. Hein. Ah ouais. Attends, toi, tu sais pas, quand tu achètes d'origine, te donnent des pneus, des crosses dégueulasses, ça tient encore moins la route et ça se retourne encore plus facile. Ah ouais. C'est des pneus de crosses, mais si tu vas dans la terre, tu es dans la merde. Voilà. Ouais, je vais le délire, ok. Ouais, allô. Ouais, je m'arrête, t'es où là? Là, je suis à la bijouterie, il y a un braquage. Tu te fous de ma gueule, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Je sais pas, t'étais pas là, je suis parti voir. Je reviens, t'inquiète. Vas-y, bah attends, on se rejoint à la bijouterie. Vas-y, viens me chercher. Ah j'arrive. Allez, Marwan, monte. Va te faire tirer dessus, là. Vas-y, salam. Ouais, Marwan, t'aurais pas un gramme de coke, là? Sur toi? Quoi? Je vais prendre la coke. Non, en fait, c'est pas pour moi, c'est, je veux voir à combien on peut le vendre, ici, dans le sud. Non, j'en ai pas sur moi, là. Oh, ok, d'accord. Bah vas-y, je vais aller en chercher un et tout. C'est pour le business. Ah, ça va quoi, Mathieu? Ouais, depuis la réunion, alors, ça raconte quoi, là? Ouais, je me suis bien fait baiser les FN. Ah, ça fait plaisir. Eh, hey, je voyais, tu mettais v'là les prix. T'as de l'oseille, toi? T'as de l'oseille, toi? Je te jure, vérité. Ouais? La vérité. Mais c'est un secret, ça reste entre nous. Hein. Bah, bien sûr, ça reste entre nous. En fait, on m'a envoyé, il y avait un actionnaire, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Eh, Wastou, il m'a dit, va acheter les euros. Mais c'est qui l'actionnaire en question? Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, c'est monsieur Guzman. C'est qui, ça? C'est monsieur Guzman. Mais c'est qui? Monsieur, il habite à la Fuente. Mais attends, mais là, tu parles quelle langue, là? C'est un chef de cartel. Oui, d'accord, allez, c'est bon, ferme ta gueule là, Galaxy voilà, de cartel. Voilà. Mais arrête de dire voilà, c'est la carte Pokémon. J'ai dit le W-World. Mais comment tu connais toi, Marwan? Tu connais des mecs du cartel? Qu'est-ce que tu me racontes? Je t'ai dit, je suis le boss de la ville ou je suis pas le boss ouais, de la ville? Ah ouais, toi t'es une boss, regarde, là, t'as des bleus partout. Ouais. Et du coup, t'as acheté quoi comme arme hier? Du coup, j'ai rien acheté. Ah bah super juste alors. Ah ouais, super le cartel, il a pas beaucoup d'argent le cartel hein. Ouais, il a même pas acheté un chewing-gum, oh là, il est revenu les mains vides. Tu dois être fier de toi. J'ai acheté les FN, j'aurais rendu. Allez, bisous. Attends, c'est Octavia? Ouais. Oh ouais, la meuf qui rappelle jamais. Super. Pardon, comment, je te rappelle. Comment ça, la meuf qui rappelle jamais? Pour quel motif? Ah, non, allez, bisous. Attends, mais c'est un fou, lui. Attends, mais... chauffe le style. Ouais, mais t'es trop beau. Ouais, regarde. C'est pour le Galaxy. Je t'ai dit ou pas le Galaxy, c'est à moi? Ouais, tu m'as dit, tu l'avais racheté. Ouais, bah écoute, reste avec moi, je vais te montrer un truc après, d'accord? Vas-y, je reste avec toi. Vas-y, j'arrive. Allez, viens, bébé. On va aller au Galaxy. Ah ouais, c'est vrai. Oui. Oui. Mais c'est un malade. Mais t'es un baiser, tu voulais me niquer ou quoi? T'es un fou, toi. Oh, SP, t'es malade. Sors de là. Il voulait me tuer. Sors. Mais t'es un baiser ou quoi, toi? Oh, bordel de merde. Oh, sa mère, je m'attendais pas à ce que... Mais t'es qui, toi?
Moi c'est Filsbon et vous? Mais pourquoi tu voulais me tuer comme ça? Mais je voulais pas te faire de la tuaison. Ah bon? Mais et t'as voulu m'arracher la tête là? Bah non, franchement là, après j'avoue, un petit dégradé ça aurait été pas mal, mais c'était pas mon intention du tout là, t'es premièrement. Malade. Mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici dans mon terre-terre à moi? Putain, ah, c'est votre chez vous là? Mais bien sûr, c'est chez moi. Ok, ouais, bah c'est vous là qui étiez il y a deux secondes là, en train de dire à Octavia là, faut répondre au téléphone? Bah oui, c'est moi. Ah ouais, ok, ouais. Ouais. Et ça, t'as la faute, tu avec ma main! Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon! C'est quoi ce délire là? Mais attends, mais je savais pas que c'était ta meuf, Tu la selles! Quoi? Mais non! Et toi, tu fais quoi là? Mais écoute, écoute! Non, non, arrête, arrête! En fait, je vais l'embaucher pour le Galaxy, c'est professionnel! Non, connais les passages sur le bureau pour augmentation et tout, l'espèce de fou, va! Mais j'ai même pas de bureau, qu'est-ce qu'il me raconte? Et moi, je suis homosexuel, j'aime que des femmes, de quoi tu me parles? Attends, tu t'appelles comment? Je m'appelle Mathieu Khanez! Et toi? Bah moi c'est Marwan Aspé, tu me reconnais pas. Ah ouais c'est Marwan. T'as quoi? C'est bon, je peux baisser les miens? Ouais désolé, bah en fait c'est un baiser lui ou quoi? Lève les mains. Mais il est fou lui ou quoi? Lève. Mais voilà, mais c'est un malade. Toi tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Eh ça fait 4 fois que je le rappelle, c'est quoi, c'est un vent en miettes là? C'est plus pour moi. Recule Marwan, recule. Voilà, je lui fais pas confiance, Mais t'es un malade. Oh putain. Oh bien fait, bien joué. Let's go, on se barre. Ah, il a failli m'arracher la tête, il est fou lui. Et Octavia, je lui fais l'amour tous les soirs. Toi, t'es vraiment fou, toi. Ouais, c'est vrai, ouais, je suis un peu fou, ouais. Il a failli t'arracher la tête, du coup, tu l'as explosé. Mais attends, mais il m'a arraché la tête, en plus, il m'a braqué. Il est malade. Oh là, attends, on va se mettre sur le côté. Ouais, c'est bon, je pourrais me faire percuter là. Mets-moi l'adresse, s'il te plaît, de mon entreprise, s'il te plaît, le Galaxy, à côté du. Le Galaxy? Ouais, à côté du permis de conduire. Là, je viens de finir des travaux en plus. Tu vas me dire ce que t'en penses, d'accord? Et j'ai une petite idée derrière la tête. Parce que tu vois, le Galaxy, j'ai envie que ça devienne une plaque tournante de Los Santos au niveau des trafics d'armes à feu, de drogue et des pits. Tu veux faire tes rendez-vous là-bas, Zama? Exactement, mais pour ça, il faut de l'aménagement, on est d'accord? Parce que de base, c'est pas très aménagé pour ça. Ok. Là, maintenant, je vais te montrer un petit truc, d'accord? Et tu veux l'utiliser que en tant que QG ou tu veux faire Zama la nuit, il y a des non, je veux rien dire. Non, voilà, il y a une façade Zama, tu vois, civile au calme, c'est Zama la façade légale et la façade illégale royale en mode enquête d'action, tu vois, le soir quoi. Putain, t'es trop intelligent, en vérité, tu fais deux business en un. Exactement, quoi. Tu connais Isio Suspect? Kaiser Soze? Non. D'accord. Non. On pourra pas discuter avec moi alors. Eh ben putain mon vieux, ça fait plaisir. Ça se met bien. Ah oh ouais! Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon. Tu vois, Zerma, ils viennent avec leur véhicule ici. Tac, ils se garent, ils font la transaction. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Un petit billet. 5% de la transaction. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est pas tes transactions que tu veux faire ici. C'est non, c'est pas les miennes, je m'en bats les couilles, moi! Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'arrive ici. C'est parfait, ça. Et là, je monte directement dans mon bureau, Roya, viens voir. Bon. Allez, viens au bureau. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là c'est mon bureau, on peut aller sur le toit, Zama. Si jamais il y a des mecs qui veulent m'attaquer, hop, je monte sur le toit direct. Ah, t'as capté? Et ensuite, je prends l'échelle là, un petit parachute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon. Mais maintenant que je suis au courant de ça, t'as pas peur? Moi j'essaie de te la mettre à l'envers, je t'attends direct là-bas. Wallah, t'es dans la merde. C'est bon, je rigole. Ouais, t'es un malade, t'as vu ce que j'ai fait à Phil, ça ton ami là? Oh, jamais de la vie. T'es un malade. T'es fou quoi, je rigole. Mais non, je rigole. Ça va quoi, Marwan? Ouais, ça va très bien. On est ensemble, Roya. Ouais, alors du coup, Roya, tu sais ce que tu vas faire? Ouais, là, ça va être ta mission ce soir, tu parles de ce business-là à tous les gens que tu rencontres, tous les gangsters. Ok. Et je te passe un billet. Vas-y, ça marche. Si jamais, tu vois, et si jamais ils organisent un rendez-vous aujourd'hui ce soir, tu prends encore un autre billet. Ok. Je te fais un petit bookmaking. Vas-y, tu sais quoi, viens, tu prends des photos, comme ça tu leur montres. Vas-y, ça marche. Vas-y, t'inquiète, tu es en direct avec mon sahab Mathieu. Ok, aujourd'hui, vas-y Mathieu, fais la dédicace, fais. Mais regarde, mais moi je suis un mec mystérieux, qu'est-ce que tu me racontes? Coupe. Wesh, il est malade ou quoi lui? Oh, smahle. Mais non, moi, je prends juste des photos. Prends pas la plaque. Ouais, attends, hop, comme ça. Prends juste, voilà. Attends, je prends la moitié de ton visage, comme ça les gens ils peuvent pas te reconnaître. Mais Starfall, mais t'es malade ou quoi? Mais quelle moitié de visage? Mathieu, t'es au courant de ce qui se passe à 22h? Non, il y a une chasse à l'homme, je sais pas quoi là. Je sais pas. 22h, j'ai besoin d'un vaccin pour semer la zizanie auprès des policiers. C'est qui organise ça? Je sais pas. On choisira une soixantaine de personnes, rendez-vous à 22h. Peu de risque, paiement de 10 000 dollars par tête. Ça sent la merde cette histoire. Déjà, qu'est-ce qu'on va aller se rendre dans un stand de tir avec des caméras et tout? Il a pété un câble ou quoi lui? Après, moi je dis 10 000 dollars par tête, ça fait du bénéfice, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ça fait 10 bénéfices, frère, mais bon, ça veut dire quoi? Il faut les tuer? Ça veut dire quoi, 10 000 dollars par tête? Je sais pas, je sais pas. Ouais, s'il faut tuer des êtres humains, frère, 10 000 dollars, c'est pas cher payé, frère. T'es pas chaud, toi, de tuer des gens, genre? T'es malade ou quoi? Attends, je vais lui vendre ça. Oh, espèce de camé, viens! Attends, j'ai mis le getter, je fais le getter. Vas-y, get. 221 dollars. Ah ouais, on est loin des 400, hein. À mon avis, c'est dans le nord. Tu penses? Ouais, je pense. Bah, en tout cas, je voulais tester dans le sud, alors ça, c'est fait. Vas-y, je rappelle Tarzan, du coup. Ouais, Mathieu. Ouais, 221 dollars à Vinewood. Ok, 221. Après, okay, ça marche. Après, dans le nord, peut-être, tu vois, ils sont en galère du fou, peut-être que ce sera un peu plus cher, je sais pas. Oui, oui, je sais que c'est toujours plus cher là-bas, vu qu'il y a moins de. Ouais, t'as besoin de coke, là? Non, non, c'est juste pour savoir les prix un peu. Vas-y, parce que moi, j'ai de la coke, hein, n'oublie pas. Ouais, je sais, t'inquiète. Vas-y, ça marche. Okay. Hey, ouais, ça marche. Tu vas au truc des 20 désirs, là? Ouais, ouais, je vais aller, ouais. Vas-y, ça marche. Bon, on se capte là-bas alors, je pense. Vas-y, ça marche. Allez, c'est allez. Ouais, après, moi, je suis en vérité. Si t'as la flemme de vendre la drogue dans la rue, moi, je connais un gars, il reprend en gros. Faut voir. Peut-être, je vais trouver des petites mains, tu vois. Ouais. Je vais leur demander de vendre et tout, et puis je prendrai un petit pourcentage au calme. Bah, y'a mon cousin, je sais qu'il aime bien vendre. Ton cousin? Ouais, ouais. Voilà, et t'as toi, vu celui avec qui? Toi, tu l'encourages dans le haram et tout, c'est bien. Ouais, bah, moi, regarde, je fais du haram, je vends des armes. Mais t'as pas honte? Et lui. Bah, non, mais voilà, t'as pas honte, tu sais, parce que moi, regarde. Moi, la vérité, après que le Galaxy devienne la plaque tournante des putes et de la drogue, moi, après, je compte construire une mosquée, croyant. Moi, je reste quand même dans le droit chemin, croyant. Attention. Ouais, totalement. Et moi, avec les armes que je vends sans PPA, ben, je fais pareil. Tu vends des armes sans PPA, toi? Ouais, ouais. Waharam, oh là là, c'est grave. Moi, je te pose des vraies questions. Ouais, vas-y. Moi, des fois, je te vois tourner en Batmobile, ok? Ouais, la Batmobile, non, la Batrenes. En Batrenes Mobile. Ah, Batrenes, ouais. Ouais. Oh, des fois, je te vois tourner dans des véhicules de fou. Comment tu t'es fait tout cet argent? Burger Shot Roya, et puis j'ai un oncle, Pabito Janez. Un ancien gros trafiquant de drogue qu'ils ont buté dans la chambre de gaz. Ouais. Rien que d'en parler, Roya, j'ai la gorge qui est nouée là. Maintenant, t'inquiète. Oh, attends, putain. Attends, il y a Fils qui m'appelle. Vas-y. Wallo, main dans la main. Moi, je vais être la reine des putes. Attends que je ramène le cartel. Attends, il veut qu'on se donne rendez-vous là. Viens, donne rendez-vous maintenant. Vas-y, envoie une pause, on arrive, on débarque. T'es où? Ah ouais, je t'ai dit, c'est mon meilleur sahab, tu vas rien faire. Allez vous faire foutre là, il m'a lancé une patate, une lance grenade là, on mais est où là? Espèce de bâtard, je suis attaché, je suis devant toi. Salut, on est là. Tu m'approches plus de ton pote là, c'est un fou. Mais pourquoi? Attends, mais il m'a lancé une pompe de terre. T'as rien fait de mal. Mais n'importe quoi, c'est toi, ton moteur il a fui quand t'as fait l'accident, il y avait un truc d'essence. Je venais de jouer la bagnole, punaise de la pomme de la terre là. J'étais content et tout, j'étais en train de flamber, bah j'ai vraiment flambé. Écoute, t'avais pas qu'à me percuter comme ça, ton réservoir il était en train de se vider. Il y a une petite flamme et boum, bah ouais, mais j'ai pas mis votre vie en danger moi. Ah non, bah non, t'as failli m'arracher la tête, c'est tout. Je fais un petit dégradé al dente, voilà, pour un peu de fraîcheur et tout. Attends, mais Octavia, c'est ta meuf? Non, c'est. Mais bien sûr que c'est sa meuf, je lui dis tous les messages que je lui envoie. Ta gueule, putain, arrête. Je lui dis. Non, j'y pas. Ah, Wasto, excuse-toi de m'avoir insulté. Ouais, désolé, c'est bon. Voilà, c'est qui la petite ici? C'est même pas moi, je suis une. Ouais, Octavia? Ah, t'es ma petite chienne. Ouais, t'as répondu direct. Eh, dis-moi, Phil, c'est ton mec? Oui, pourquoi? Je t'ai dit 15 fois. Quoi? Tu me l'as dit 15 fois? Bah oui. Mais tu me l'as jamais dit, ça, ouais. Je t'ai jamais. Je te jure, la tête de ma mère, je te l'ai dit 15 fois. Mais je t'ai jamais posé la question. Moi, je pensais. Mais je pensais que t'étais même lesbienne, toi. Mais comment ça? Mais parce que je sais pas, t'as la tête, t'as la dégaine, quoi, tu vois. Oh l'enculé, c'est parce que. J'ai pas une foufounette. En train de dire, je m'habille comme un garçon. Ouais, des fous, tu parles, tu craches, tu pisses comme un garçon, en fait. C'est vrai, ça. Mais pourquoi tu me demandes ça? Parce que là, j'ai explosé ton petit ami, c'est pour ça. Et en fait, quoi? Bah là tout à l'heure, parce qu'en fait quand je t'ai dit ouais tu rappelles jamais, il a pété un câble, il a voulu m'écraser. Du coup moi je suis gentil mais un peu fou, alors je l'ai fracassé quoi. Ouais. Et là je suis au Ritchie, là on est en train de discuter, je pense que je vais le tuer. Ouais je pense que je vais le tuer, ouais. Non bah non. Allez salut. Non. Eh Psartek, la voiture elle est bien hein. Putain. Non, allez, eh hey, vous m'explosez pas la voiture, je deviens fou là. Mais non, c'est quel modèle ça? C'est une STX chef. Ah, d'accord. Allô, Octavio? Ouais, j'ai dit que j'allais te buter, ouais, c'est pour ça. Je suis avec un cowboy là, il a explosé ma chambre avec un pistolet, je pense qu'il y avait dedans, mais il y avait. À la base, je croyais qu'il avait un déodorant avec un briquet, mais au final, c'était un lance-patate. Non, mais parce qu'il est homosexuel, il m'a dit tout à l'heure, du coup, il veut me péter la rondelle. Eh, dis-lui de me rappeler, je veux le numéro de son réfé, s'il te plaît. Je l'ai le numéro si tu veux. Ah ouais, vas-y, donne. Grosse tête, moi je te dis une grosse tête. Mais je l'ai vu au Belize, il est pieds nus, quelle grosse tête. Il a une grosse tête, mais il a des petits pieds. Ok, il a un gros cul aussi. Comment ça, il a un gros cul? Oh, là. Oh Alvaro, ça va ou quoi? Oui, tranquille, et toi? Ouais, ça va. Écoute, c'est Marouane, il m'a passé ton numéro de téléphone, faut que je te parle d'un truc, j'ai une idée de business là. Un truc de fou? Ah ouais, un truc de fou, ouais. Bah, c'est ce que je dois entendre, d'accord. Vas-y, on donne rendez-vous. Passe au barrio rapide, d'accord? Au barrio? Vas-y, j'arrive. Vas-y, devant le tatoueur. Vas-y, Marouane, viens, on voit le tatoueur. Vas-y, oh, un fil, ça t'a l'heure. Attends, te faire foutre, toi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Envoie des messages à ta meuf. Traîne avec des mecs et des bazookas dans le cul. Ouais, c'est ça. Mon gars. La dernière fois, Mathieu, on a volé son téléphone, on a commencé à fouiller dedans. Qui ça? Devine ce que j'ai trouvé. Ouais, des nudes. Ah, des nudes, des souris. Plus que ça. Oh, je voudrais pas que tu me quittes. Des sextapes de chèvre. Ouais, exactement. Attends, mais il est malade lui. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce mec-là? Il est éclaté au sol. C'est ce que je dis plus. Aïe. C'est lui qui a eu mal, franchement, c'est lui. Bon, alhamdoulilah, ça va. Hein. Je vais proposer le business du Galaxy, tu sais, à Alvaro. Oh, ouais. Tu lui enverras les photos, d'accord? Vas-y, t'inquiète. Ouais, ça danse, c'est mais c'est ça les gangsters d'aujourd'hui, là? C'est qui ça, les gogoles qui arrivent? Oh, j'aurais la force de frappe. La force de frappe en personne. Attends, y'a de la musique, là? Mais en fait, c'est un battle. Ah, c'est juste un battle. Ah, ouais, c'est... Ah, d'accord. En bref, y'en a, il se fait classer, il rentre en milieu. Tu veux essayer? Ah, non, moi, je suis venu pour du business, moi. Ok. Vas-y, la mère roule quand elle monte dans ma voiture, et bah je m'habite qui vient tout dur. Ouais, et c'est toi le gogol. Quoi? Non, il a raison. En plus, plus la transpiration. C'est bon quoi, Alvaro? Ça va, tranquille, et toi? Ouais, tranquille, on est ensemble. Marwan, viens, s'il te plaît. Vas-y, j'arrive. Envoie les photos, s'il te plaît, Alvaro. On voit ça tout. En gros, je t'explique, Alvaro, je sais pas si tu te rappelles de moi, si tu me connais, je m'appelle Mathieu Redes, on s'est vu au Bénise. Je suis président du Burger Shot et je viens de racheter le Galaxy. Tu sais, la boîte de nuit en face du permis de conduire là. Et en gros, là, je n'ai du business. Tu vois, quand par exemple t'as envie de faire une transaction et tout, un petit peu dangereuse, avec des armes, de la drogue, des pétes et tout ça, tu viens dans ma boîte de nuit, j'ai aménagé un petit souterrain, tu rentres ton véhicule, t'es au calme. Qu'est-ce que j'y gagne moi? Un petit billet. Qu'est-ce que tu gagnes toi? La liberté et la tranquillité. Et ça, ça n'a pas de prix. Ouais, je suis en train de voir les photos. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est l'arrière du... C'est quoi, les Galaxies, tu m'as dit? Ouais, ça? Ouais, exactement. Il y a un petit souterrain, un petit garage et tout, j'ai aménagé. Ok, ok. Oh, oui, j'ai déjà été une fois. Ouais, il y avait ça, un mec en rose, il avait organisé un tournoi là-bas. Ah, il y a moyen, je sais pas, peut-être. Octavien, je suis avec ton réfé, laisse-moi tranquille et arrête de m'envoyer des nudes, merci. Oh, ouais. Et donc, ouais. Tu dis, ouais, je sais que tu dis n'importe quoi, mais bon, bref. Et pour revenir à ce que tu dis, donc là, tu peux faire des transactions de sécurité, si tu me dis. Exactement, ouais. Et moi, je prends un petit pourcentage sur le butin, quoi. Ok. Et je fais comment maintenant? Je dois contacter qui? Imagine, s'ils ont envie de faire des transactions là-bas. Tu me contactes moi directement? Ok, donc le numéro que tu m'as appelé, c'est le tien, celui-là. Ouais, c'est le mien, ouais. Vas-y, je t'appellerai et je verrai. Vas-y, on fait ça comme ça. Intéressant. Ouais. Ça marche, pas de soucis. Tu as un pourcentage précis ou un truc comme ça? Ouais, un petit 5%, ça y est, je suis pas gourmand. Hein. Ok, d'accord. Tu vois, par exemple, sur 300 000, je prends 15 000. Ouais, c'est tranquille. Okay. D'accord. Ok, bah on fait comme ça. Voilà, c'était mon truc de business. Allez, bon courage. Vas-y. Salut. Ouais, Stanislas, ça va ou quoi? Bah, tranquille, et toi, Mathieu? Ouais, tranquille, t'es où? Là, c'est actuellement vers les Vagos. Qu'est-ce que tu fais chez les Vagos, toi? Parce que, en fait, t'explique, hier, j'avais un véhicule que j'avais volé à quelqu'un. D'accord. Du coup, pour effacer les preuves, je l'ai jeté dans la Seine. Ouais. Dans la mer, là. T'as jeté la voiture dans la Seine. On n'est pas à Paris, quoi. Hein. Oui, mais parce qu'en fait, une fois t'es allé à Paris, il y avait comme pareil. D'accord, ok. Dans un lac. D'accord. Et en gros, là, je me suis réfugié, c'est les Vagos. D'accord. Et donc, tu veux que je vienne te chercher les Vagos, là? Si ça te dérange pas, ouais, pourquoi pas. Ouais, vas-y, j'arrive, à tout de suite. Tu viens de ouf, Mathieu. À tout de suite, Mathieu. À tout de suite. Monte, à ma biche. Ah mon dieu, fais de son noir. Ça va quoi, Stanislas? Ça va quoi? Ça raconte quoi? Mais t'as volé la voiture à qui et tout? J'ai pas compris. En gros, t'expliques. Ouais. En reste, comme vous dites, hein vous les. Ouais. Quoi? Donc, j'ai volé un véhicule. D'accord. Un unicorne, tranquillement. Un plus normal. Attends, parle plus fort, s'il te plaît. Ah oui, un plus normal. Ouais. Et là, je tombe dans l'eau. D'accord. Jusque-là, rien de bizarre. Et voilà, c'est tout. D'accord, ok, super. Et donc, tu t'es dit, je vais dormir dans le quartier du Vagos, quoi. C'est ça. D'accord, ok, super. Et il est vraiment quoi? Il est vraiment quoi? Alhamdoulilah, et toi? Oui. Ça passe. Je vous invite à descendre. Oh, super, nickel. Oh, non, nickel. Dans Bécane. Oh, mon... Ça va? Oh, merde. Ça va, Marwan? Aïe. Oh non, Marwan, lève-toi, Marwan. Bon, on va aller au truc de 22h, à ce qui paraît, il y a des missions, je sais pas quoi. En gros, je t'explique, Stanislas, il y a une sorte de petite réunion, Zama, entre gangsters à 22h au stand de tir. Ah, d'accord. Il y aura une mission, Zama, il faudra trouver des mecs, je sais pas quoi. Oh, sûr, let's go. On va voir. C'est pas comme si tu me l'avais dit ce matin, quoi. Hein? Bon, c'est même pas vu, tu dormais chez les Vagos. Bah oui, c'est vrai. C'est bizarre, toi. Non, mais je rigole, c'est une blague. On va passer par là ou pas? Ça passe, on a un cadavre ici. Oula. Oh oui. Mais ils sont bien garés tout. Ouais, je vais pas dire la même chose. Comment c'est possible? Bah nous on se gare là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah ouais. Y a quoi maintenant? Y a quoi? Voilà. Tu vas faire quoi, hein? Oh, t'as trop un flow stylé en fait. T'as vu mon style ou quoi? Mais même toi en fait. Et j'ai trop de force aujourd'hui. C'est.
Oh, ça, ça va, t'as ouais, fait... ouais, non, je suis... parce que j'ai jeûné aujourd'hui, c'est pour ça. Ah, ok. Fatigué, ouais, je suis fatigué. Mais y a un mec qui m'a envoyé une pause, sans ouais. rien me dire. Vas-y, bah rappelle-le. Mais c'est toi tu m'as envoyé une pause sans rien me dire. Eh, hey, dis-lui je t'emmerde, allez, raccroche. Hein, t'as dit quoi? Dis-lui je t'emmerde et tu raccroches. Eh, ta grosse mère, et te raccroche. Voilà. C'est ça qu'il fallait dire. Le mal alpha, bon homme, ouais, bon le mal alpha. Ah, c'est un bonhomme, moi c'est un bonhomme. Bien oh, sûr, t'es un bonhomme. Bon moi, c'est vrai. Regarde comment, quand je suis énervé, regarde ce que je fais, regarde. Merci. Regarde. T'as vu? Mais frérot, t'es à couche ou tu danses là? Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est la danse des bandits, c'est la danse des voyous, c'est la danse des racailles. Allez, vas-y, on y va. Ah ouais, là t'as vraiment impressionné tout le monde, frère. Oh là, t'es fort. Mais pourquoi donner rendez-vous dans une ammunition? Ça, je comprends pas, Thibaut. Je sais pas. Oi! Y'a des promotions ou quoi aujourd'hui? C'est un moyen comme c'est où qu'on prend le ticket. Salut. Oh, tu me rappelles une série que je regardais sur une chaîne télé à l'époque avec. Avec un bateau et tout. Oh là, avec tiens, non, tu sais, le catcher là, Hulk Hogan, ah, ou je sais pas quoi là. Ouais, un petit peu. Voilà, la même dégaine, sauf que t'es Renault, dommage. Vanessa, viens voir la calvasse, Vas-y, arrive. Devant. Oh mon dieu, merde, c'est un en bécane. Je sais pas, sinon on s'en bat les couilles. Juste ok, de retour. On dirait Dr Raoul. Quoi? Si, tranquillo quoi. Viens, respecte-moi, c'est Yannick. Vous avez un trou sur la tête, monsieur. Je suis mort, J'ai partenariat avec la Turquie en Istanbul. Ah, mais frérot, t'as pas le budget pour faire le rond-point, quoi, là? Ah, mais c'est quoi? C'est très compliqué, là. Là, y'attends un peu, là. C'est quoi ça? En pleine canicule, on peut faire curer l'homme, là, à travers ton crâne, hein. Mais pourquoi tu mets pas un bonnet en attendant, Royan? C'est bien de s'assumer, mais quand même, pour nos yeux, c'est chaud, quoi. Ah, d'abord, c'est incroyable. Faut casser, hein. Après, wow. Comme on dit, il faut s'assumer comme on est. Ah, oui, mais des fois, faut pas trop s'assumer. Oh, ça va ou quoi, Mathieu, tranquillo? Oh, ça va ou quoi? C'est qui? Tavia. Ah, oui, mais ah oui, c'est vrai. Ça va? Eh, hey, Mathieu, t'as pris ton ticket? Non, ça va pas. Super mal habillé. Moi, je suis super mal habillé, bah, je les prends pour un compliment quand même. Bah, oui, tiens. Bah, ouais. Toi. Vu que tu mets même pas de soutien-gorge, ça me dégoûte. si, j'en ai un en fait. Oui, ouais, d'accord. Si, j'ai un soutien-gorge, j'ai des caches-tétons. Putain, ça me dégoûte. Ouais, tu voulais. Eh, pourquoi tu m'as appelé tout à l'heure? Donc, pourquoi tu regardes mes seins en fait? Mais je m'en fous, je suis homosexuel moi. Pourquoi je t'ai appelé? Je sais plus. Ouais, j'aime que les femmes. Toi aussi, tu sais, non, bah, c'est pas homo du coup. Ouais, tu m'as appelé pourquoi? Vas-y. Je sais même plus pourquoi. Pour entendre ma belle voix, voilà, tu peux le dire. C'est pas par rapport aux galaxies? Par hasard? Ah putain, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah ouais, t'es trop bête. J'avais oublié hier. Le cerveau aussi petit que tes seins, c'est grave. Mais arrête de regarder, mais oh là, je vais appeler Fufu. Mais on peut pas regarder ce qui n'existait pas, de quoi tu me parles? Mais si, ça veut dire que t'as regardé. Mais t'en as pas, de quoi tu me parles? Si, j'en ai. Oh, c'est là. Fais le truc pour le truc. C'est dehors, venez, ils sont là, les gens. C'est dur. Putain, merde, excusez-moi. Putain, c'est qui cette guignole encore? On l'a pas fait, t'es un chef. Le dupster arrive. Et encore, il y en a qui peuvent monter. Ah, c'est les mecs du cartel, c'est pas Tseko ça. Oh, je crois que c'est les balas là. Et moi, j'aime bien les balas. Moi aussi, j'aime bien, c'est un peu des racailles, mais ils sont gentils un peu. Ouais, mais c'est des racailles douces, tu vois. C'est ça, ouais, ils ont la peau douce en plus. C'est des racailles hnina un peu. Allez, hnina. Ouais, hnina. Ça veut dire quoi ça encore? Bah, gentil quoi, douce, câline quoi. Non, parce que vous, on vous connaît, vous. Hein. Mais qui ça, nous? De quoi tu me parles? Toi, t'es un petit raciste en vérité, hein. Mais voilà, mais lui, ça se voit, il vient d'une famille de bourges, lui. Hein? Lui, il mange des cornflakes le matin avec de l'eau et tout. Allez, les balas, vous allez bien? Ouais, t'inquiète. Ouais, tranquille. On est ensemble, je disais que moi, je vous aime bien les balas, hein. Yo, welcome in the hood, ouais, c'est vrai. J'aime bien la couleur violet. Ouais, ta chemise aussi, elle est super classe, hein. Ah, ça me rappelle les Teletubbies. Ça fait plaisir. Bon, ça raconte quoi alors, les balas? Vous étiez là hier à la réunion ou pas? Ouais, on a acheté un Calibre 50. Oh, pas mal, ok. Et ça va, ça se passe la vie dans le Tchekar et tout? Ouais, ça se passe, on mange bien, on se lave dans le. À l'arrière, tu vois, au niveau du. Tu connais. Et comment ça? Vous êtes toujours en tension avec les families ou pas? Ouais, c'est. Ah non, mais faut enterrer la hache de guerre, merde! Ouais, non, ça va être impossible. Ah, je viens de les vies. Ah, mais putain, parce que. Pour une histoire de couleur, quoi, s'il vous plaît, merde. Ouais, soyons un arc-en-ciel, s'il vous plaît, à Los Santos. Ouais, c'est vrai, j'aime bien aussi. Non, je rigole, hein, nique sa mère, la guerre, c'est la guerre. C'est une question de raquette. Ça va pas ou quoi? La guerre, c'est le business, hein. Ouais, ils ont pas mis la raquette, du coup. Bon, allez, venez, on prend le prochain Depsta qui arrive là. On le réserve. La balasse. Titit, on est là! Bonjour messieurs! Bonsoir monsieur! Oh, non, c'est parti. Comment allez-vous? On est ensemble hein. Alors moi je m'appelle Mathieu Hanez, PDG du Burger Shot, enchanté messieurs. Enchanté, moi c'est Stanislas, streamer sans Fortnite de grand temps. Vous vous appelez enchanté. Comment? Un pseudo? Comment Emilio?
Emilio, enchanté Emilio. C'est quoi dans la vie, monsieur, à part le PDG là? Je me reconnais pas, moi. Ah, Marwan, ça va ou quoi? Ouais, c'est vrai, toi. Attends, c'est eux les mecs du cartel? Ouais. Oh, fils de. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a avec eux? Ouais. Mais croyez, c'est les mecs du cartel, ils sont dangereux, croyez. Mais vous êtes dangereux, monsieur? Dépend. D'accord. Il est sombre, ténébreux. Charismatique. Ça sent le ragondin. Oh là là. Mon Dieu. On va se faire exécuter là. Stanislas descend. Quoi? Stanislas? Oh putain. Comment il connaît ton nom? Parce que je lui ai dit, je crois. Ah oui. C'est moi, il parlait de moi, t'inquiète. Moi c'est un halo flerif, un cousin de la boue. Non, c'est bon. Mais pourquoi tu l'as traité à l'intérieur? Pourquoi tu l'as traité de ragondin, Hamar? Bonne M4, 3 litres 300. Coupez les moteurs. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais vous expliquer. Je vous passe une tenue d'abord. Ça va quoi, monsieur? Ouais, on n'est pas là pour discuter. Je te passe la tenue, je te passe la plata. Okay. Mets la tenue, tu montes sur une moto, tu coupes le moteur, ok? Si, si, hola, hermano. Si, coupez le moteur, hein, parce qu'après l'essence. Toi, va vers une moto qui est au fond ou prends la 44 kilos. On va niquer la police? Non, on va pas les niquer, on va juste les baiser, ils vont sentir yes tellement con. Yes! J'adore! Let's go. Moi, tu vois, je leur fais du mal sans leur tirer dessus. J'ai déjà assez tiré dessus hier. Venez, les nouveaux qui viennent d'arriver là. Oula, ils boitent. Ça va, 42? Ça va, j'ai bien aimé ton petit spectacle là avec les gros blindés hier et tout. Hein. Ouais, mais aujourd'hui, je te prépare une surprise. Je te donne un conseil. Prends pas des véhicules comme ça. Prends des véhicules bien rapides, des motos rapides. Prends des trucs rapides parce que je vais te fumer, mon pote. Moi, ta Buffalo Stick, tu peux même sortir tes Ferrari, tes motos super sportives, shit ou machin chose. Je vais te fumer, cabron. Iso 42. Faut que la police, comme ils diraient les balas. Attends, du coup, monsieur, on doit faire quoi? On doit juste fuir, on doit pas leur tirer dessus. Eh, vous fuyez, quand il y a le signal, vous sortez tous, vous partez dans tous les sens. Ils vont voir tout, ils vont se sentir comme des cons. Vas-y. Et pourquoi on a de l'argent, monsieur? Bah, parce qu'on prend des risques. Prends des risques. Ah oui, c'est vrai, merci, c'est pas bête. T'es trop bête. Ah, c'est. Il est pas bête, il est jeune, c'est tout. Petite pute, il va être énervé. Bon courage à vous. Là, je t'en Si, si, gracias. Bon, les mecs, tous pour un et un pour tous, hein. Comme il a dit, hein. De semer les flics, là, c'est ça. Ouais, ouais, faut c'est ça, ouais, ouais, faut voilà, la merde. T'es bien renseigné, toi. Bonne chance pour refaire. Mmh. Excusez-moi, tout le monde. Ouais. Oui. Ouais. Non, rien. T'es un rigolo, toi. Bah, j'espère vraiment que tu vas te faire choper, sale chien, toi. Ouais, c'était génial. Ah, t'as rigolé, c'est une blague. Bah, non, moi, je rigole pas, moi. Pas marrant, oh merde. Quoi, ton nom? Stanislas Bilboulette. Putain, casse les couilles, dans la merde. J'espère que vous avez tous passé une bonne fin de semaine. Oui, alhamdoulilah, oui, ça va, ouais. De rien, y'a pas de soucis. Demain, Inch'Allah, Jumu'a, donc restez en vie, s'il vous plaît. Faites pas très... Demain, c'est... Jumu'a. 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 Jumu'a, c'est vendredi saint pour les musulmans. Ah, c'est comme la peste pour les chrétiens, comme moi. La peste pour les chrétiens. La messe, la messe. Ah ouais, oui, oui, oui. La messe, ouais. Oui, c'est pas la même, monsieur, faites attention. Alhamdoulilah, la messe. Tout ça pour finir à Bolingbroke. Tu es sûr? La personne de la moto là. Toute cette préparation pour c'est aller au HAP ce soir. Ouais, c'est parti. Ah non, j'ai pas envie d'aller en prison moi quand même. Oh, ça va, t'as l'habitude, croyant. Je suis jamais en prison moi. Mais t'as dormi chez les vagos ce soir, c'est pareil, croyant. Ah d'accord. Ah donc t'insinues que les vagos c'est de la merde? Oh, clairement, oui. Bah ouais. Ah, mais ils sont pas là. Les vagos c'est de la grosse merde. Ma tête, ça va dans la vie? Bah écoute, ça va. Let's go! À l'attaque! Fuck la police! Fuck la police! Fuck off! Fuck off! Oh mon dieu! Fuck off! Pour la moto, on va récupérer la. Alors refais-moi la maline, hein! Police des merdes! Vous êtes malade! Fuck off! Fuck off! Allez, bon courage! Voiture, voiture de police derrière! Voiture de police derrière! Attention! T'es mal à la fin! T'es mal à la fin! Voilà! Hop! Hop là! J'ai failli m'éclater. Ouais, Mathieu, qui est le guépard? Oh, c'est un hôpital, je suis dans un buisson, t'es où? Tu veux qu'on monte à deux? Vas-y, il arrive. Ouais, vas-y, viens. Mathieu? Ouais, je suis là. Ouais, ça va. Vas-y, viens, monte. Faut que je dépose de la thune parce que faut que je la garde, en vrai, c'est important. Ouais, mon petit, que j'ai 100 000 dollars, moi. Oh, mais tu te fais attraper dans la merde. Ouais, j'ai deux pétards, 100 000 dollars, je suis dans la merde. Se les donne quand ça te rembourse pour le truc d'hier, là. Vas-y. Attends, 10 000 plus 10 000 du coup, non? Parce qu'ils t'ont passé combien, là? Moi, 10 000. Oh! Non, on s'arrêtera pas. Vous êtes con quoi? Mais c'est toi, t'es con là. C'est toi, t'es con. Mais putain, mais je vais pas me battre encore aujourd'hui. Eh, je vous parle là. Comment ça? Oui. Arrêtez. Ratti. Qu'est-ce que tu fais, lui?
C'est mangé. Bon bah au moins je vous ai tapé, mais au moins je vous aide. Ah ouais, t'as tapé la moto, elle est tombée, putain. Bah ouais, mais vous étiez au milieu de la route aussi, Neyman. Bah frérot, on est en moto, c'est normal, on roule. Tu veux qu'on soit... Mais pourquoi vous étiez arrêté au milieu de la route? On s'est pas arrêté. Ils étaient pas arrêtés, encore. Vous êtes cagoulés. Ils étaient arrêtés au milieu de la route. Ah, on était pas du tout arrêtés. Espèce d'alcoolique, tu mérites une claque. Vous voulez que je relâche où? Burger shot, vas-y. Merci monsieur. Qui vient de te mettre la claque. Et il est dans le coffre, je sais pas comment il me met une claque. Vas-y, baisse le ciel et ferme ta gueule, c'est bon, mon je suis conducteur. Ah, c'est bon, ouais. Ah, regarde, c'est bon. Rallons comme le fit, toi. Ah ouais. On remet une deuxième tant qu'on y est. Ouais, ouais. Vas-y, c'est bon, nickel. Vas-y, merci, Tiger. Sans pas dans le coffre, ça vous met gueule. Salut. Oh, Mathieu. Ouais, Marwan, tu en es sorti? Non, y'a un flic qui me veut que moi. Quoi? Depuis le début, il me lâche pas, il me dit la moto jaune, je vais te prendre que toi. Sérieux, t'es où toi? T'es où? Ouais, je suis mort, je suis sur l'autoroute. Bah, tu veux qu'on t'aide? Vas-y, t'es où? Vas-y, passe là où j'ai pas récupéré la drogue tout à l'heure, je vais prendre un véhicule et je t'attendrai là-dedans. Vas-y, j'arrive. Vas-y, va venir, on va l'aider. Oh, mais elle est trop stylée, c'est une berline! Ouais. Oh mon dieu, il arrive! Ouais, je l'entends. Oh mon dieu! Vite, monte les Allez, monte! Arrêtez-vous, monsieur! Ok, let's go! Voilà! Nique la police! Hubert, bonsoir! Oh! Comment allez-vous, messieurs? Vous aurez évidemment des fristagadas à l'arrière et une bouteille d'eau pour vos diesel tirés. C'est parti! Bah, je vous en bénéficiez avec le plus grand du plaisir! Ok, enfin, il y a du champagne! Bah, bien sûr, croyez, on se met bien! Ok, let's go! Accrochez-vous, monsieur! Ok, je m'accroche! Hop là! Et moi, monsieur, c'est la femme de ménage, donc si vous êtes dedans, n'hésitez pas! Et hop là! Mais pourquoi ils sont derrière vous, monsieur, la police? Ils sont pas à côté! Je ne sais absolument pas pourquoi, ils... Ah, c'est bizarre quand même! Pas à côté! Oh, il y a. Oh, Mskin. Réellement, pourquoi on dit le bas côté? Parce qu'il est pas si bas que ça en fait. Il y a trop moyen de le braquer, Mskin. Il est tout seul et tout, il fait de la peine. Oh, ouais. Ce serait vraiment dommage. Oh, Mskin. Poussez-vous! Oh mon dieu! C'est pas possible ça! Oh, vous voyez pas qu'on est escorté par la police? Oh, je crois qu'il est mort! Oh, ça conduit sans les mains et tout. Oh la vache. Ok, alors comment suivre une voiture, une moto de police quand on est en une voiture? Oh, le flash? C'est une très bonne question ça. Bah, le flash, je crois que. Course plus, je vais ralentir ou quoi? Oh là, le bénéfice. En fait, faut qu'il fasse l'erreur, faut qu'il se prenne un trottoir, un truc comme ça, tu vois. Ouais, exactement. Oh! Hop là! Putain, il vient en renfort! Ah, on a des collègues! C'est bien, on a des collègues! Putain, ah, y'a du monde! Y'a du monde! Super ça! Y'a du monde! Hop! Attends, on fait un petit tour comme ça, voilà. On reprend par là. Oh là là! Voilà. Ouh, ça va s'écraser là! Et là! Oh, c'est des bons! Oh, j'ai une idée de bâtard! Vas-y, mon gars, trace! Il va me suivre et je vais freiner, il va se manger la voiture! Oh, vas-y! On fait ça, s'il te plaît! Ah bah attends, faut... Attends, il arrive. Dommage. Oh. Comment d'entre eux. Oh, c'est... Voyons. Voilà, c'est il bon mangé une moto, ouais. Il a mangé une moto. Ah non, c'est pas bon, là. Oh putain, il y a une super sportive. C'est pas grave. Une super quoi? Une super sportive. Oh mon dieu. Ouais, t'es... Oh, je me suis fait lâcher sa mère. Oh, oh mon dieu. Fuck off. On est dans la merde. Allez, courez. Jamais de la vie. Ah. Et moi, t'es Roman. Oh, merci. Putain. Je crois que ton gars derrière, il s'est attrapé. Hein. Mais en fait, c'était pour aider Marwan. On est revenu pour l'aider. Il m'a dit, monsieur, j'ai dit non, il va prendre trois super sportifs, il y avait deux motos. Putain. T'as fait quoi pour être suivi comme ça, toi? Bah justement, je l'ai aidé, je voulais l'aider. Il a fait quoi, lui? Il a fait quoi pour qu'il l'aide? Bah il a fait comme toi. C'est bizarre, parce que moi, je suis passé 15 fois à côté d'eux, ils m'ont ignoré, t'as vu? Ah, non, mais je sais pas, les flics, ils lui ont dit, toi, avec la moto jaune, on va pas te lâcher, je sais pas pourquoi. Il a dit lancer un truc ou quoi, un cocktail ou quoi? Attends, mais c'est qui, là? C'est Alvaro. Ah, oh, putain. T'as la chance que j'ai reconnu ta chemise, hein? Ouais, des fous. Bah ça va, on a gagné 10 000 dollars, c'est bien, hein? Ouais, Marwan, ça va ou quoi? Allo, c'est comment pour toi? Bah, moi je suis avec Alvaro, tranquille. Ah, il t'a sauvé? Et ouais. Stanislas, c'est comment? Et Stanislas, je sais pas, croyant. Oh putain. Et toi, vas-y, on se dit quoi? Moi, vous êtes sorti, vous avez couru, moi je me suis abaissé. Ils sont tous passés à côté de moi, j'ai repris la voiture, je suis parti. T'as repris la voiture? Putain, elle était en milieu de sa mère. Ah ouais, mais elle roulait à peine, je l'ai lâché 200 mètres plus tard. Ah putain, même pas tu la répares, sale chien. Quoi. Ah non, même pas, t'es fou. Vas-y, quoi. Bah, dès que je sors des égouts, je t'appelle, vas-y. Vas-y. Oh, il y avait une moto derrière. De ma gueule. Je te jure, mais c'était une crosse. Regarde, arrête-toi. Oh là, ils sont derrière. Ah putain, ils cassent les couilles, mais ça va jamais se finir ou quoi?
Fais demi-tour au pire. Ah dommage. J'aurais pu faire demi-tour. Non mais c'est grave. Putain, en plus on est à deux là. Ah mais c'est bien. Voilà, le fait qu'il l'a pas lâché. Allez, bon courage. Bienvenue de chez moi. Ah merci, c'est gentil. Voilà. Ça c'est ma maison. Ah ouais, c'est rustre hein. Oh, il y a sûrement des vêtements si tu peux en prendre un thé pour te changer. Non, je vais rester comme ça, tranquille. Ah, c'est pour ça que tu allais te changer. On va faire un petit tour. Vas-y, ouais. Wouah, sérieux? C'est chez moi, ça. En vrai, c'est bien, hein. Ça va, ça passe. On va dire que j'ai mis du temps à tout rénover, t'as vu? En fait, l'extérieur, ça paye pas de mine, mais à l'intérieur, c'est bien. Ouais, c'est vrai. C'est... Putain. Tu connais les expressions? La vie ne fait pas le moine. Ouais, des fous. Ça se met super bien. Écran et tout. Bah, putain. T'as une meuf? Non, pas rien. Mais comment ça se fait que Octavia elle sort avec ce tocard des fils? Elle sort pas avec lui, c'est des fausses rumeurs. Mais elle me l'a dit et il me l'a dit aussi. Bah c'est des bah ils t'ont fait bonne blague. Ah. Alors vraiment, moi je vais laisser. Mais c'est pour ça, je me disais c'est bizarre. Bah Hermana Octavia sortit avec un plouc comme lui. Ouais, je m'éloigne. Allô Mathieu, t'es où? On vient te récupérer si tu veux. Chez les Maras. Vas-y, on arrive. Putain, mais il est posé ton quartier, il est bien. Hein ça va, on va dire qu'on s'améliore. Il y a un mec, attention. Quoi? Je fais une bizarre. Non mais c'est un cosplay, si jamais ils viennent ils font une descente et tout. Et tu peux me dire d'où tu l'as sorti la canne? Hein? Bah je l'ai toujours dans le dos. Toujours dans le dos. Bah ça va alors, t'as tout prévu toi. Il y a un mec qui est rentré chez toi, Alvaro. C'est des hermanos à moi, tu sais. Ah ouais? Ah c'est possible. Vous êtes comblés hein. J'ai des personnes, j'ai laissé des doubles, on sait jamais des affaires, t'as vu. Putain. Et du coup t'as une meuf ou pas toi? Ouais, j'ai pas le temps pour ça, tu sais. Ah ouais mais bon, après c'est bien pour se dépendre un peu, tu vois. De temps en temps, tu vois. Ouais mais ça c'est une petite pour la soirée, tac, je la paye, t'as vu. Ah oui, ah d'accord, ok. Kefil il m'a menacé. Il y a quelqu'un. Ah ouais, tu rappelles jamais toi, par rapport au Galaxy. Il m'a pourchassé, il voulait me fumer. Je dis mais il est fou quoi lui. Mais du coup je l'ai explosé. Parce qu'il faisait le jaloux, il pensait que je draguais sa meuf ou je sais pas quoi. Si ça de l'appeler là, attends. Ah oui, c'est vrai, vas-y. Voilà alors. Merci Alvaro, hein. 2, 1, pas de problème. Je te revaudrai ça, à bientôt. Ouais, avocat. On va taper les 50 là. A bientôt Alvaro. Oh, Alvaro, il m'a sauvé. Hein. Merci Jeff. C'est bon. C'est à qui la voiture? C'est à. À l'autre Saoufen. Enfin, c'est à moi. Oh, doucement le poteau, doucement. Oh, ça va. Hé, Marwan, tu sais que c'est. Alvaro, il m'a dit c'est faux, hein. Phil, s'il sort pas avec Octavia, hein, c'est des blagues. Non, moi je te dis, Alvaro, il le sait pas. Mais Fils et Octavia dans leur conversation, tu voles sur téléphone, tu regardes, tu pètes un plomb. Ah bah je sais pas, moi il m'a dit non, c'est des mecs qui aiment bien faire des blagues et tout. Bah justement, Octavia elle a deux téléphones, elle a un fake téléphone et un vrai téléphone. Et le oh fake vas-y, téléphone... attends, je vais la poucave, je vais le dire à Alvaro. Vas-y. Oh elle est dans la merde. Là. Ouais Alvaro, et Marwan il m'a dit comme quoi Octavia elle a deux téléphones, dont un où elle envoie des messages bien comme il faut à Fils. Donc je te conseille de regarder tout ça. Ok, bah écoute, je vais mener mon enquête. Vas-y, ça marche. Allez, bon courage. Salut. Ouais, ça. Qu'est-ce qui se passe là? Stanislas, ça va? Ça va pas, il m'a tué. Ah ouais. Ouais, mais attends, mais pourquoi? Eh, mais attends, mais c'est quoi? C'est un RSI? Ouais, c'est comme un RSI. C'est stylé, hein. Faut que je l'accuse, non? Oh là là, comment elle entre. Vas-y, monte. Allez, les poils. Bah ouais, ça y est, c'est devenu des meilleurs potes, eux. Ils ont rien à faire. Ouais, ils sont devenus meilleurs potes en 10 minutes, quoi. Alors là, vraiment, ce qu'on a vécu ensemble, ça fait plaisir, hein. Il y a une voiture qui nous suit, Mathieu. Oh mon dieu, il y a quelqu'un qui est mort. Tu penses, vas-y. Ouais, là, c'était extra. Vas-y. Vous allez faire quoi? Je peux pas le braquer, moi. Voilà, on est suivi. Voilà, on est suivi. Je crois qu'il nous braque, là. Quoi? Oh putain. Mais non. Allez. En vrai, on en prend quoi, non? Allez Marwan, bon courage. Oh putain. Monte dans le coffre. En plus c'est un Saoufen, hein. Vous montez à la voiture, partez là. Tranquillou. Excusez-nous, on part, c'est bon. Vous êtes vraiment charismatique hein. Allez Marwan, bisous. C'est toi qui es charismatique. Hein? Comment? Il a dit quoi là? Je sais pas, j'étais intermédiaire d'hésitant je crois. Oh tu t'es fait flasher. Oh merde, je t'ai fait flasher, ça me casse les couilles. À chaque fois d'être crimeur comme ça là. Viens, on fait une super hit. Avec celle-là? Ouais, on fait une super réaction. Elle est bien, en vrai, putain. Ah ouais, il est fou. Elle est bien, elle a un gros cul, hein, la voiture. T'as un couteau ou pas? J'ai toujours un couteau. Je rigole, y'a pas de super réaction. Ah. Je m'en doutais vraiment pas. Ah, je suis mort.